Silence plateau. Et action. Donc Unbound, c'est un court-métrage de science-fiction qui parle des dangers de la bioéthique, mais aussi de l'esclavage moderne. En fait, c'est un projet qui ressemble très à Blade Runner, où on a des espèces de faux humains qui vont s'appeler les Unborn, qui sont des êtres qui naissent comme des humains, mais qui sont manufacturés, produits par les hommes, et donc réduits en esclavage par ces derniers. Moi, mon personnage, en fait, il est d'une catégorie un peu au-dessus de ce qui se fait, donc c'est un modèle un peu plus évolué, un peu plus fort, à qui on peut donner des missions particulières. Donc en fait, moi, mon maître, en fait, va me faire naître, et ensuite, il me fait naître pour une mission bien particulière, qui est d'aller récupérer sa femme qui a disparu. Donc en fait, c'est un tournage qui est sur 15 jours, avec une équipe de 25 personnes, donc assez conséquent. En plus, c'était pour la première fois, on est allé tourner à l'étranger, en Suisse, pour 3 jours sur le tournage. Donc voilà, c'est des grosses journées, des grosses équipes. C'est la première fois que l'association fait un aussi gros projet. Donc on est vraiment hyper content, mais c'est beaucoup de travail. Alors en fait, vu qu'on est une association, on a réussi à travailler avec plusieurs organismes, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Niort, et aussi d'autres partenaires qui viennent nous donner les fonds nécessaires pour venir financer nos projets. Action. Coupez ! C'était bien ça. En fait, ce qui est prévu actuellement, c'est de le faire vivre en festival. En fait, le film devrait sortir premier semestre 2022 et participer à plusieurs festivals. Et ensuite, on a deux possibilités. On a peut-être la possibilité de travailler avec Canal+ sur le rachat du film. Ça, ce sera super chouette. Mais sinon, il finira sûrement sur YouTube. C'est une équipe qui est très jeune, qui est très prometteuse, qui a une façon de travailler qui me plaît, qui est passionnée et qui est dans l'excellence du travail dans le cinéma. Et je pense que ça peut être très bien actuellement de montrer ce que les jeunes sont capables de faire avec les outils que d'autres ont. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. Ok, on va se remettre en place. Donc Athan, il avance un peu plus vite.